Notre prochain concert s'intitule Le bel itinéraire, trois générations de compositeurs. L'ensemble itinéraire a été fondé dans les années 70 par un collectif d'interprètes et de compositeurs. Nous voulions rendre hommage à Roger Tessier, qui est un des compositeurs fondateurs de l'ensemble, qui fête cette année ses 80 ans. Roger nous a écrit une pièce dédiée à l'itinéraire qui s'appelle « Comme un écho des mémoires enfouies ». C'était un bel hommage de lui rendre, lui qui a été tellement impliqué dans les actions pédagogiques et de transmission, que de confronter cette pièce aux compositions de trois étudiants de composition du CRR que nous allons jouer également à ce concert. Je ne ferme pas mon histoire avec l'itinéraire, avec cette pièce. Cependant, elle représente une sorte de synthèse, non pas des années, ça ne veut rien dire, mais de tout ce que j'ai entendu, de tout ce, des relations établies. Et j'avais envie, dans cette pièce, de rendre hommage d'abord aux interprètes, parce que l'ensemble de l'itinéraire, dans sa constitution de chacun, pour moi, est exceptionnel. La deuxième génération des compositeurs est représentée par le compositeur Tomás Bordalejo, à qui nous avons commandé une œuvre pour la maîtrise du CRR et l'ensemble itinéraire. Bravo les enfants, hein ? Ça s'enchaîne comme tu veux. C'est très bien. Là, je comprends quand tu me dis que tu le vois plus à l'ombre. Ouais. Tout à fait, moi aussi. Toi aussi ? Oui, oui, oui. Ah bon, alors j'étais dans ton esprit sans le savoir. C'est ça, c'est ça. C'est en fait, il faut que vous vous mettiez dans la place des deux narrateurs.